Salut, salut et bienvenue dans les replays de la semaine. Dans cet épisode, nous ferons le tour de l'actualité qui a marqué la semaine du 17 avril, notamment les nouvelles sorties, les streams qui ont animé nos canaux. Vous êtes prêts? Let's go! On commence avec Dead Island 2, un FPS suite direct du premier volet. Plusieurs mois après les événements qui se sont déroulés à Banwa, les États-Unis se voient obligés de mettre la Californie en quarantaine. Désormais zone interdite, l'état doré est devenu un paradis sanglant pour ceux qui ont refusé de quitter leur maison et un terrain de chasse rêvé pour les renégats qui cherchent l'aventure, la gloire et un nouveau départ. Sortie prévue le 21 avril. On poursuit avec Horizon Forbidden West Burning Shore, un DLC du jeu principal. Le jeu d'action-aventure sur PS4 nous propose de réincarner Aloy, l'héroïne du premier volet, dans un monde post-apocalyptique. Explorer de nouvelles terres gelées jusqu'aux eaux tropicales en découvrant les ruines de l'ancien monde. Sorti ce 19 avril dernier. On poursuit avec Minecraft Legends, troisième opus de la licence Minecraft, un nouveau jeu d'action stratégie. Explorer une terre riche en ressources et pourtant au bord de la destruction. Les piglins menacent d'envahir ce monde, c'est donc aux joueurs de se rassembler et participer à des batailles stratégiques pour sauver l'Overworld, sorti ce 18 avril dernier. Ce week-end dernier, au mix-up de Lyon, Skywalker, grâce à son personnage Lao, nous a sublimé d'une énorme performance qui lui a permis de se hisser aux portes du top 8. GG à nos champions Sky et Johnny. La chinoiserie qui est passée, oh là là, magnifique. Le Magic Four de Lao est là. Il essaie de mettre le plus de oh là là, c'est pas, faut pas appuyer après. Il a tenté un hop-kick. C'est Fibla qui panique. C'est Fibla Black qui panique et Skywalker reste en vie. Skywalker lui montre que Babi 225 est là. Le dimanche dernier, dans le TKS, s'opposait dans le premier set Kid Pegasus qui était face à Itachi, set qui s'est soldé par la victoire de Kid Pegasus 10-4. Et là, Kid Pegasus qui frappe. Dans le main event, AMD était face à Speedy Wayne, set qui s'est terminé par la victoire d'AMD 10-4. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, partager. On se retrouve très bientôt pour un autre replay de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Peace, ciao.